reborn. Chaos reborn. Wow. Bonjour les reborn. Comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Ils ont attrapé des ritualistes avec un canari. C'est ce que nous allons voir ici sur Chaos Reborn. C'est un truc hors du commun. Avant qu'on aille voir ça, attendez, je vais vous expliquer l'histoire rapidement pour que vous puissiez bien comprendre. Apparemment, ces gars-là ont été envoyés par des gens, des personnes âgées. Et ces gens les ont envoyés pour commettre ce crime et prendre le sang des victimes. Ils ont mis le sang des victimes dans leur canari. Et c'était pourquoi exactement? Pourquoi est-ce que ces hommes, ces personnes âgées, nous ont demandé de le faire? Pourquoi est-ce que ces gens-là avaient besoin de sang? Selon l'information que ces gens-là eux-mêmes vont révéler, parce que ces gens-là seront questionnés ici, ces gens-là ont dit que ces vieillards ou ces gens âgés que les ont envoyés ont juste besoin de sang afin de faire un rituel pour augmenter leur vie et avoir beaucoup d'argent. Donc, ils ont envoyé ces petits aller commettre ce crime parce qu'eux ont besoin de sang pour avoir longue vie et faire le rituel de la thune, le rituel d'argent. Sérieux? Comment c'est possible? Est-ce que c'est possible de le faire? À ce niveau de la compétition, je pense que vous devez être informé de ça. Il existe des connaissances interdites. Ce sont ces connaissances interdites-là qui amènent parfois les gens à faire ce genre de choses. Oui, ce genre de choses. Parce que ces connaissances interdites-là viennent du diable. Et c'est le diable qui se comporte ici. C'est lui qui demande ça. Demande le sang. Il veut vous faire croire qu'il va augmenter votre expérience de vie. Et vous donner beaucoup d'argent. Vraiment, c'est bizarre. Venez. Nous allons aller voir ça. Vraiment, vous risquez d'être étonné. Hein? Ça risque de vous faire peur aussi. Si vous savez que vous avez peur de ce genre de choses, s'il vous plaît, veuillez regarder la vidéo suivante. Parce que cette vidéo pourrait vous... C'est pas beau à voir. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Ok. Commençons par le commencement. Regardez ça! Wouh! Ça, c'est extraordinaire. Vous voyez ça? Ils ont attrapé ce gars-là. Ils l'ont attrapé. Avec un canari. Un canari rempli de sang et qu'ils avaient l'intention d'utiliser pour faire les rituels d'argent et avoir longue vie. En fait, ce n'est pas eux, hein, ce n'est pas le gars qui fait le rituel, c'est la personne qui l'a envoyé. Nous allons bien écouter ce qu'ils vont dire. Il parle en anglais, j'essaierai de faire la traduction pour vous en français. Si vous comprenez bien l'anglais, hein, faites la traduction en commentaire pour que nous puissions comprendre. Nous sommes chauds. Écoutez ça. Ils sont deux. Le monsieur a déjà posé des questions sur tout ça. Voici le canari en question. Vous voyez le canari? Vous voyez comment c'est fermé, non? À l'intérieur se trouve du sang. Du sang humain.
avec des choses bizarres. Waouh. Et le monsieur lui demande, ça c'est quoi qu'à l'intérieur? C'est le sang de qui? Il dit que c'est le sang d'une femme. Donc ils ont tué quoi? Une femme, un humain, pour ça. Vraiment, c'est ainsi. Je pense que nous devons vraiment nous lever dans la prière. Seigneur Jésus, le sang d'une femme. Attendez, vous venez pas là. Écoutez bien ça encore, hein. Écoutez. Il demande quelle est sa profession et pourquoi est-ce qu'ils vont aller chercher ça. Ils disent qu'ils sont allés chercher ça parce qu'on leur a demandé cela pour faire un rituel d'argent et puis une chose pour augmenter leur espérance de vie, pour avoir longue vie, quoi. Et on lui demande c'est le sang de qui, et il dit le sang d'une femme. Regardez la femme aussi. Ah, la femme aussi fait partie du clan. Donc c'est le sang d'un humain qui se trouve dans le C'est le sang d'un humain qui se trouve dans le canari. Sang humain. Et il continue à leur poser des questions. Bon, je pense qu'à ce niveau, vous avez compris. Ils sont allés, on les a envoyés chercher du sang humain pour faire un rituel d'argent et de la longévité. Quelqu'un veut augmenter son âge parce qu'il a devenu vieux. Et il a besoin de sang. Du sang d'une femme. Ah, Seigneur Jésus, vous avez entendu ça? Ce monde-là, dans ce monde-là, il y a tout. Hein. Il y a tout. Il y a des gens qui sont capables de faire des choses terribles. Hein. Ça, là, je pense que les démons sont parmi nous. Mais je pense que nous devons vraiment prier. Vraiment beaucoup, beaucoup prier, les gars. Parce que ça, là, vraiment. Maintenant, dites-moi, est-ce que ces gens de rituel fonctionnent? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'ils réussissent à augmenter l'espérance de vie? En tout cas, c'est le diable qui joue avec leurs esprits. C'est comme quelqu'un va voir le diable.
quelqu'un normalement qui doit vivre 70 ans, il va voir le diable. Le diable dit, ok, je vais te rendre riche. Et le diable ne lui dit pas hein, que il va carrément jouer son esprit après, au niveau de son expérience de vie. Genre, le diable va dire, oh, tu vas être riche pendant 50 ans et puis tu vas mourir après. Alors, dès qu'il arrive, il a 50 ans, il va voir le diable, dire, ah, le diable, moi, il n'y a pas envie de mourir, on fait comment? Il dit, le diable va dire, ah, tu n'as pas envie de mourir, ok, après, c'est qu'il faut tuer un de tes enfants. Il va tuer un enfant et il vit encore 5 ans de plus. Quand les 5 ans vont passer, le diable encore, il dit, ah, toi, tu as oublié. Tu as vécu, tes 5 ans sont déjà finis, hein, tu dois encore faire un autre sacrifice pour vivre encore 5 autres années. Tu vas aller tuer encore d'autres personnes pour pouvoir vivre encore. Eh, Seigneur, le diable est méchant. Là, il est pris en otage par le diable, sa vie en otage. Il est travaillé pour le diable maintenant en sacrifiant des gens. Voici ce qui se passe. Le diable ne peut rien donner. Il vole, c'est un voleur. C'est terrible, c'est terrible. Que Dieu délivre toutes les personnes qui se trouvent dans cette situation. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu nous protège. Je vous donne rendez-vous prochain. Waouh! Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. C'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker, commenter, de la partager à vos frères et sœurs aussi. Et si vous voulez faire un paiement bancaire pour soutenir notre bande, dans la description, c'est tout bien lié. Où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Nuance Rebond 3. Avec la chaîne Rebond, vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir Nuance Rebond 3. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti.